Tu es le chef maintenant. Tu dois les unir. Insieme per la vittoria! Vittoria! Tu dois reconquérir Rome. Tout ce que je veux, je le prends. Et yo tout le monde, c'est Maya! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed 2. Un jour, j'ai l'intention d'écrire un livre sur toi. Fais en sorte qu'il soit court, Machiavel. Sur ce, bon visionnage! Retenus chez eux par une attaque de groupe. Il a mis au point un traitement miraculeux, obligeant toutefois les malades à avaler des grandes quantités de bière. Maestro Jan Tellienwis vous accueille tous les jours au Sorobrable à l'hôtel de la Guille. C'est Copernico qui m'envoie. Grazie. Ce Buonarroti, quel pipo et quel sale caractère. Mon époux voulait lui passer une commande pour une somme. Oh, il y a plus d'un assassin. Il faut partir ici. Eh mais t'as pas le droit de faire ça. Tu mériterais qu'on t'offre une autre. Un assassin en liberté. C'est de la folie. Ils ont tous perdu la tête. Je rentre chez moi.
Allez, venez essayer mes articles. Mes lames d'excellence à cure. Elles ne vous abandonneront pas dans le feu du combat. Je vous salue, citoyens de Rome. Profitez de ce glorieux spectacle. Caterina Sforza, la catin de Forlì, va enfin ramper à nos pieds. Ah ! Personne ne peut tomber plus bas que Lucrezia Borgia. Qui t'a poussé à faire ça ? Ton frère ou ton père ? Ou alors un peu les deux ? Ils ne valent pas mieux l'un que l'autre. Vas-tu te taire ? Personne ne dit du mal des Borgia. Voilà ce qui arrive à ceux qui osent nous défier. Bon peuple de Rome, gardez courage! Votre heure viendra, vous serez bientôt libre, je vous le jure! Ils vont la torturer. Tu es venu pour Cesare et Rodrigo. Caterina est une alliée puissante. Un jour, elle nous rendra l'appareil si nous lui venons en aide. Peut-être. Mais occupe-toi d'abord de Cesare et Rodrigo.
T'es là, assassin? Tu as rampé dans ce... Oublie le pape, c'est moi que tu sers. Rome est le pilier sur lequel repose notre stratégie. Il est solide. Tu dois l'être toi aussi. Oui, mais le Vatican... Cette assemblée de vieillards. Continuons de faire semblant, bientôt nous n'aurons plus besoin d'eux. Il nous confie la cité. Elle est entre de bonnes mains.
Arrêtez-le! Une petite danse? Cesare. Lucrezia. J'espère que tu as fait honneur à notre invité. Cette insolente, il faudrait lui coudre les lèvres. Moi, je les préférerais bien ouvertes. Oh. As-tu parlé au pape des sommes que réclame mon banquier? Il s'est absenté du château. Il faudra nous montrer très persuasif à son retour. Ça ne sera pas difficile. N'est-ce pas? Non. Mais je me sens un peu trop seule ici. Nous ne passons plus jamais de temps ensemble, tous les deux. Tu es bien trop accaparée par tes autres conquêtes. Bientôt, quand je monterai enfin sur le trône d'Italie, je ferai de toi ma reine. Et ta solitude appartiendra au passé. Je meurs d'impatience. Et pas d'incarta dans mon absence.
Ouvrez la porte! Le capitaine général part pour Urbino! Una fortuna padron Cesare! J'ai bien peur que Machiavelli me soit déçu. Ouvrez la cellule! Raconte ton voyage à Rome. Cesare t'a fait l'honneur de son carrosse? Tu es pitoyable, Lucrezia! De quoi a-t-il parlé? De ses projets pour Naples? Ça t'a plu? J'ai déjà tout oublié. Je vais te rafraîchir la mémoire! Ah! Ça te remettra les idées en place! Referme et donne-moi la clé. Où est-ce qu'il... Descends tout de suite! Cet homme ne me dit rien qui vaille. Mmh.
Donnez-moi cette cruche. Un peu d'eau vous soulagerait. Et moi, qui va me soulager, princesse? Ezio, que fais-tu ici? J'adore visiter les prisons. On vaincra la colère de Cesare. Heureusement pour nous, il s'est absenté. Existe-t-il une autre clé? Le garde a donné la sienne à Lucrezia. J'ai bien peur que non. Et où est-elle? Ses appartements sont tout en haut du château. Très bien, j'y vais. Surtout, attends-moi ici. Vraiment? Et où veux-tu que j'aille? Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.